À la recherche de l'essentiel, le livre des vivants, de la part de Jésus de Nazareth, la finalité de l'humanité. À partir de « Qui dit-on que je suis ?» demande Jésus. Après la réponse de Pierre, « C'est toi, le sauveur du monde. » Il commente « Tu es heureux, car cette révélation t'est venue non de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. » Je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je doute, beaucoup doutent, de notre raison d'être, de notre destinée réelle, de l'utilité des religions, de la divinité de Jésus, etc. La plupart du temps, celui qui doute admet volontiers qu'une énergie infinie soit créatrice de cet univers dont il se sait infime molécule, consciente par extraordinaire, de son existence. Mais il reste sans opinion devant ces questions primordiales qu'en conséquence il rejette en bloc de son quotidien. Pourquoi sommes-nous sur Terre? Pourquoi l'injustice? Pourquoi la souffrance? Qu'en est-il réellement après la mort? Mystère. Comment répondre? Peut-être en m'interrogeant à mon tour, quel sens peut bien avoir la vie humaine si elle n'est l'aboutissement de la création? Si elle n'est la sublimation de la création, si notre vocation première n'est pas de parachever la création. Parachever la création en devenant le maître de ce corps qui m'a été donné, en ayant la volonté de me servir de cette intelligence dont, entre toutes les espèces qui peuplent la Terre, j'ai en tant qu'homme la chance exceptionnelle d'être plus particulièrement doté, pour réfléchir à ce qui est important dans la vie, en acceptant par exemple de faire l'effort d'aller au bout de ces idées et de ces ressentis qui me traversent parfois l'esprit et le cœur pour voir quelles sont ces anguilles sous roche quand ma paresseuse légèreté je voudrais ignorer. En développant cette capacité d'aimer qui, de temps en temps, me dérange parce qu'elle m'invite à me dépasser. Cette étrangère qui, lorsqu'il m'arrive d'entrouvrir ma porte, me laisse apercevoir qu'elle pourrait même me rendre capable de pardonner à ceux qui m'ont offensé. Obstacle quand mes moments de soi-disant lucidité, tel un cheval qui renacle, je me refuse à seulement envisager. Alors qu'au tréfonds de ma conscience, moi qui me prétends disciple du sauveur du monde, je sais bien que tant que je n'aurai pas franchi ce pas, je ne serai pas arrivé là où Jésus voudrait m'emmener. Mais n'est-ce pas là définir un ambitieux projet de vie qui prétendrait possible de faire un homme véritable du simple prédateur que je suis, ce que chacun d'entre nous sent plus ou moins confusément qu'il est appelé à devenir, qu'il soit croyant ou non. Ce qui me ramène à l'interrogation initiale de Jésus, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme, ainsi qu'aux réponses des apôtres qui rapportent ce qu'ils ont entendu. Il est. Ou plutôt, tu es, car pour eux, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, un ancien prophète. Au cours des siècles qui suivront, la chrétienté déclarera que Jésus est Dieu. Une bonne question pourrait être, mais cette façon de croire, qui s'inscrit dans les pratiques d'un temps où l'on divinisait volontiers, pour preuve, ces sectateurs des 2e et 3e siècles après Jésus-Christ, qui se prétendirent eux-mêmes ou se firent consacrer Dieu, change-t-elle quelque chose au quotidien du commun des mortels, même à l'aujourd'hui de ceux qui, intellectualisant, veulent comprendre que notre destin est divinisé après notre mort? Et bien entendu, à la réponse de Pierre, tu es le Sauveur, le Fils du Dieu vivant, ou plutôt, car dès lors l'expression nous implique directement, tu es le Fils vivant de Dieu.
Le sens premier du commentaire de Jésus, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont fait dire ça, suivi de « tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai ma communauté », l'Église. Tout ce que tu pardonneras sur la terre sera pardonné dans les cieux, signifiant, selon moi, c'est le destin de l'humanité que Dieu vient de te révéler. Le monde sera sauvé lorsqu'il sera devenu une communauté de vivants, d'hommes debout, accomplis, de fils de l'homme, capables d'aimer jusqu'à pardonner. Ce qui peut aussi s'exprimer de la façon suivante, en langage actuel. De même que les préhominiens ont été les prémices de l'humanité d'aujourd'hui, nous sommes les prémices de l'humanité de demain. C'est cette humanité-là que je dois, que tu dois bâtir. À moi de comprendre que le cahier des spécifications, comme on dit dans l'industrie, qui définit cette humanité de demain, c'est Jésus, ce prototype qui m'est proposé comme modèle. Jésus lui-même disait, « D'autres suivront qui feront encore mieux que moi. » Parce qu'il y a 2000 ans, il a été le premier à devenir fils de l'homme. Sans doute est-ce la raison pour laquelle Jésus dit ailleurs aux apôtres que là où il va, ils ne peuvent encore venir. Cet humain de demain, but de la création, qui aura accompli son destin de devenir véritablement vivant en transcendant la chair et le sang. Ambitieux projet auquel souhaiterait contribuer ce livre des vivants. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer « Auditeur YouTube », vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.